Your suffering will be legendary, even in hell. Merci Pined. Alors hier nous étions un peu tristesse. On était un petit peu tristesse. C'était quoi cet ordinateur qui ne voulait pas faire fonctionner un jeu que j'avais absolument envie de refaire, Resident Evil 7 Biohazard. Donc aujourd'hui j'ai suivi quelques tutos sur YouTube, sur YouTube, pour optimiser un petit peu mon ordinateur. J'ai viré 2-3 trucs. Bon, a priori ça devrait pouvoir tourner maintenant. Ah salut Nictaras. Ça me fait plaisir que tu sois là, parce que j'avais grande peine hier, j'avais grande peine. Mais bon, je suis quelqu'un d'assez têtu, un peu comme les Bretons, malgré que nous soyons normands. Dis-moi, est-ce que la luminosité est bonne, mon bon Nictaras? Normalement, le jeu devrait pouvoir tourner maintenant. Est-ce que notre luminosité est bonne, là? Ça me paraît sombre, déjà. Allez, hop. On va mettre comme ça, tu vas me dire. Comment tu trouves là? Trop est sombre. Oh mon dieu. Parce que j'ai changé d'écran. Trop sombre là? C'est mieux. Ah putain, je peux pas. Tu voudrais que je le mette à fond? Je peux, hein. Je peux faire ce genre de choses. Luminosité. Mais là, moi, là, c'est vraiment... Ah, salut Léa, ça me fait plaisir aussi. Bon, c'est bon, là, vous avez un bon rendu, normalement. À la limite, j'ai envie de jouer sur votre retour. Parce que moi, j'ai le jeu vraiment très éclairé, là. Ah, c'est parfait, bah, c'est nickel. Bon, nous sommes de retour, hein. Moi, je suis têtu, hein. Comme mon chien. Nous sommes de retour sur Resident Evil 7. Normalement, il devrait pouvoir tourner. Comme je disais en préambule, j'ai suivi quelques petits tutos. Hein. Là, c'est parfait, mais un point de moins pour l'ambiance, ça peut être pas mal. Ah. Ok. Je le fais parce que moi, je suis vraiment très, très, très éclairé, là. Voilà. Voilà, normalement, le son est bien. Normalement, tout est bien, là. Hein. Ah, salut, Samus Aran. Super. Bon bah c'est parfait, c'est nickel. Donc nous sommes, ça a sauvegardé, donc on n'a pas besoin de tout refaire. Nous étions après le banquet, vous vous souvenez de ce petit banquet? Là je joue sur mon petit écran, donc là j'ai la caméra qui est là maintenant. Hein. Maintenant c'est comme ça. Je pense que ça prend moins de... c'est moins gourmand. Bon, en un mot, en mille, j'ai optimisé le PC toute la journée. Ce qui nous permettra, qui va nous permettre de jouer au jeu, hein. Regardez, maintenant ça tourne très bon. Là, c'est ce qu'on a lu hier. Là, c'est le bouquin avec le nom, avec le R O'Brien. C'est parfait. Hein, on est bien là. Alors, elle dort la vieille. Tu parles de ta femme? Oh! Petite blague. Petite blague de début de stream. Non, elle est en train de digérer. Et regarde, elle est en train... Vous êtes... Madame, Nictaras me demande, vous êtes en train de digérer? Vous dormez? Elle est peu causante, elle est peu causante. Bon, on continue le jeu, hein. Nous en étions là, juste après ce petit banquet qui a tourné charcuterie. Hein. Il y a leur fils là qui s'est fait couper la main. Il y a le padre qui a voulu tataner la mère. Donc, ça on avait déjà regardé, il y avait les algues. Ah voilà, on ramasse la petite plante verte. Et puis on continue quoi. Elle ne veut pas la bassine. Voilà, nous étions venus ici. Et on avait vu que là, c'était bloqué. Hein. C'était bloqué, donc il va falloir du coupe-coupe, du quelque chose. Hein. Parce que nous, en coupe-coupe, on n'a plus rien. Hein. Depuis notre petite altercation avec notre femme, hein, vous vous en souvenez tous. Après notre petite bagarre. On a perdu beaucoup. On a tout perdu. Hier, on se souvient, on est passé par... Non, vous avez peut-être pas vu. Si. Vous voyez, ça rame plus du tout hein, maintenant. Hein. C'est parfait, hein. Romain, il a fait du bon travail. Hein. La caisse a l'air fragile, on peut peut-être la casser, bah oui. Là, c'est le garage. Non, c'est un jeu que je veux absolument streamer avec vous, parce que déjà, ça va être drôle. Hein? Drôle. Et puis c'est un bon jeu, quoi, voilà. Alors, le ruban adhésif est trop résistant pour être enlevé à la main. Eh bah, ben, bah, il nous faut avoir un couteau. Il nous faut un coupe-coupe et un couteau. Peut-être que ça va être peut-être même le même item. Il va faire coupe-coupe et couteau.
Alors vous le voyez, je suis de bonne humeur. Évidemment, mon PC fonctionne à merveille. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Là, pour ouvrir, il va falloir quelque chose. Hein? Bon, on continue. Ah, ça rame plus, c'est parfait. Je trouvais ça curieux que mon PC, parce qu'il est quand même pas si nul que ça, ne puisse pas faire tourner Resident Evil 7. En fait, j'ai fait des petites améliorations. Bon, et ben voilà, maintenant que j'ai dit ça, ça rame. C'est quand même malheureux, hein. Bon, en tout cas, c'est mieux qu'hier. Là, vous le voyez, là, il y a le méchant qui est là. Hein. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit sprint. Hein, il nous fait pas peur avec ça. Putain. Ou on contourne. Comme on peut faire. Faut qu'on le baise avec la table. Allez, viens. Salut, mon gars. Allez, on le baise là. Ah, le doublage est terrible. On aurait dû peut-être mettre les voix anglaises. Allez, ça ramouille un tout petit peu, mais ça va, ça tourne, ça tourne. Je t'ai trouvé. Oh putain! Oh là là! Tu perds ton temps! Hop, 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 hop. Le doublage est dégueulasse, mais oui, mais comme le stream. Allez, maintenant on peut le baiser, on peut passer par la pièce là, du coup. Vous allez voir, ça va être un stream de qualité là. Autant le contenu était dégueu hier, et j'ai les clés de la trappe. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut ramasser d'autre? C'est quoi cette saloperie? C'est une photo d'une gamine. Il m'a dit fais comme tu veux, hein, vous avez entendu. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut le taper? Non, on peut pas. Vous avez vu, c'est un tout petit bonhomme. Je crois que j'ai du mal avec la version française. Oui, moi aussi. Hein. Mais bon, pour le moment, vu qu'on sait qu'on a des problèmes avec les sous-titres, on va laisser ça comme ça. Ah bah c'est eux là. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il va falloir un truc pour ouvrir. Très bien. Non, faut qu'on retourne à la trappe. Un bobblehead, oui. C'est exactement ça. Je me souvenais plus du nom. Oui, je suis de très bonne humeur. Je suis content, j'ai réussi quand même un petit peu à améliorer tout ça. En plus, comme tu le disais si judicieusement hier, Nictaras, vu que tout est sombre, eh ben, on s'en fout que ça soit un peu dégueulasse au niveau graphisme. Allez, on se faufile, on se faufile. Vous avez remarqué que là depuis le début ça n'arrête pas. Hein. J'ai optimisé. Hein. C'est fluide, tout va bien. Je suis déjà baissé là? Oui. Hop, un petit coup de lampe torche. Bon, de temps en temps, ça ramollira un petit coup, mais ça va. Et comme vous le savez, les puristes rectifient d'eux-mêmes en temps réel. Oh là là. Vous êtes trop gâtés, j'ai passé la journée pour vous. Rien que pour vous. Là, il y a une petite machine. Ah, une pièce antique. Merci bien. Dis donc, quand il faut tondre, ça doit être chiant d'aller chercher la machine hein, là, sous la maison. Hein. Comment il fait d'ailleurs pour la remonter? On ne sait pas. On ne sait pas. Il demande peut-être à sa femme. Mec, tu prends la tondeuse et tu fais le tour de la maison, oui, comme dans Branded. Je l'ai mis en ligne d'ailleurs, si vous voulez le regarder, je l'ai mis en 16/9 non censuré sur mon YouTube. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Je suis en train de revenir d'où je suis arrivé, hein. Ça c'est ma spécialité. Non. Comment on monte? Ah, ça se fait automatiquement. Donc là on arrivait dans une autre pièce et regardez qu'est-ce que nous avons là. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as mis pas mal de films en ligne, yes. Oui, j'ai reçu un avertissement d'ailleurs. J'ai été puni, j'ai reçu un blâme en me disant que j'avais pas les droits d'auteur. Il y en a certains qui sont pas terribles, hein. Tu te doutes bien comme ils sont libres de droits, plus ou moins. Non, moi je te recommande cohérence. Ah non, bah non, c'est celui auquel j'ai reçu un blâme. Allez, on fait une petite sauvegarde du pauvre parce qu'on a drôlement peur de mourir. Qu'est-ce que j'ai en train de dire? Ah oui, bah vous avez vu la lampe, hein. C'est ces fameuses lampes, hein. Vous vous rappelez, vous vous souvenez? La lampe Ikea, voilà, c'est ça. Vous voyez, elle est partout. Vous verrez maintenant. Ah, il y a un petit téléphone. Alors tout à l'heure, dans la session d'avant, on a reçu un petit coup de téléphone d'une nana qui nous dit, parce que j'ai regardé la VOD, d'une nana qui se prénommait Zoé, et qui c'est elle qui nous avait dit d'aller dans le grenier pour s'échapper. Alors on ne sait pas qui elle est. Hein. Plan de la résidence principale. Bah oui, ça nous intéresse. On le prend. Comment on le regarde déjà? On sait plus déjà, nous. Ça, c'est pour se protéger. Je crois que c'est là. Hein. Non, ça c'est bien sûr ça. Voilà, là on est dans la buanderie. On check un petit coup le tiroir. Très bien, une petite herbe et un fluide chimique.
Je t'en donnerai, moi, du fluide chimique. Je t'enfilerai des litrons. Des litrons. En fait, ce Resident Evil n'a rien à voir avec le scénario d'Umbrella Corp et tout ça. Oui et non. Vous verrez. Mais sinon, oui, ça, c'est complètement comme si c'était autre chose. Alors, on a récupéré plein de choses. Hein. On a l'email de Mia. La boîte de fourniture, c'est quoi? Une boîte offerte par Zoé. Elle contient des objets qui peuvent vous être utiles. Ah, mais ça, c'est des trucs qu'on a eu parce que c'est Tati Daniel qui m'a offert le jeu. Donc, on a des DLC, des pièces de machin et tout. Qu'est-ce que c'est ça? Je regarde vite fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu? C'est quoi? Boîte de fourniture. Une boîte offerte par Zoël contient des objets qui peuvent vous être utiles. Ok, je vais regarder. On l'ouvre. Herbe, remède de premier soin, remède de premier soin fort. Voici un cadeau pour toi. Utilise ça pour survivre, Zoé. Bah oui, mais j'aurais l'ouvrir. Et comment je l'ouvre? Oui, mais c'est gentil, mais comment je te l'ouvre? Oh là là là, ça va pas commencer à nous faire chier. Bon, on laisse tomber. Pour l'instant, on laisse tomber. L'hymen de Léa, ah bah d'accord. Ah, ça commence dur. Bon, on retourne pas par où on est arrivé. On a fait la sève, on a tout regardé là. Hein. Alors, les pièces d'attaque et tout, ça, je sais que c'est des choses que quand on porte sur soi, par exemple. Alors, pas celle-là, hein, pas la pièce antique. Et par exemple, la pièce d'attaque, on dit que cette pièce agit sur celui qui les porte. Celle-ci vous aide à vous sentir plus fort. On va pas utiliser ce qu'il nous donne. Hein. On va remettre ça. Si vraiment on est dans la merde, on prendra les bonus que nous offre le jeu. Mais on n'en a pas besoin, on va jouer. On va jouer réglo. On va jouer à réglo. Il veut pas ouvrir? Ah, c'est déverrouillé. Téléphone. Paye ton unboxing, bosseron. Téléphone, il est par là. Hein. Ça sonne par où? Je me souviens plus. Aïe. Attends, non, c'est la pièce d'où on vient. Il y avait un téléphone. Je suis pas idiot. Enfin, si. Attendez. On vient de par où? On était là. Oui, voilà. Oui, donc le téléphone est là. Oh là là, je suis... Hein? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. On vous dit. Allô? Bien joué, Ethan. Zoé, c'est ça? Qui sont ces cinglés? Tais-toi et écoute bien si tu veux rester en vie. Tu dois sortir de la maison. Il y a peut-être une issue via le hall principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex. Ne le perds pas, c'est important. D'accord. Elle m'a dit que mon truc à mon poignet est important. Voilà. Ah, ça me donne ma vie, hein, vous voyez. Alors, à coup de 3 agrafeuses, on s'est remis la main. Bon, ça, le jeu nous expliquera pourquoi ce fut possible. Elle nous a dit d'aller, de sortir de la maison, rejoindre le hall principal. Ah, il y a quelque chose ici. Eh hé. Allez, ouvre-toi. Ah, voilà. Ah, on a un petit crochet. On va pouvoir crocheter. Notamment le petit tiroir qu'on pouvait pas tout à l'heure. Il était pas au début d'ailleurs. On voit bien qu'il était là, hein. Et voilà. Allez hop, on utilise le crochet. Et qu'est-ce qu'on a? Un petit remède, ça fait plaisir. Donc il faut qu'on aille dans le hall principal. Hall principal, on regarde tout de suite la petite carte. Vous allez voir, ça va aller vite là. Hein. On continue, on va à droite. Ça va filer là. Là, ça, on va être quasiment en speedrun. De temps en temps, ça ramouille, mais ça va. Par rapport à hier, c'est quand même nettement mieux. Arrêtez de vous plaindre là sur le chat. Bon, ça, on l'a déjà regardé. Hein. On a peut-être pas eu le temps tout à l'heure. C'est une photo d'une petite fille, mais elle a été stabilographiée. Enfin, il y a eu méchanceté, hein. Il y a eu gribouillis. En plus, j'ai regardé la VOD hier et je me suis trouvé très bon.
Mais c'est trouvé très très bon, très drôle, fin, l'esprit fin. Je me suis dit c'est quand même dommage d'arrêter. Alors bon, voilà, on stream, on continue. Ben oui, mais le hall principal, on peut pas y rentrer. Il va nous... La pièce antique. Qu'est-ce qu'il va... Il va nous falloir un morceau de ça, hein. Vous voyez, hein? Il nous faut un bout du cheval, du canasson. Ils ont stabilographié Emma de Cône. Oui, ah, c'est vrai qu'elle lui ressemble. Toujours, toujours l'œil, hein, Nick Taras. Toujours le petit œil pour... le petit œil habile, j'ai envie de dire. Toujours le petit œil habile. L'œil coquin. Bon, on n'a pas récupéré grand-chose, du coup, hein. On a de l'herbe, certes. On a une pièce antique. On va la regarder. À quoi ça sert? Ah, ça a frappé au carreau là. Vous avez entendu? Oui, j'arrive. Salut, mec. Et vous devez m'aider. Du calme, reculez. Bon, vous vivez ici, monsieur? Salut, Bad Boy Gamerang. Mon Dieu, ça fait plaisir. Moi, non, non. Le chien te salue. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas? Je dois sortir d'ici. Bon, calmez-vous. Vous m'écoutez pas. C'est Georges Profond. Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer. D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague. Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Et rien ne me prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien, je préfère ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, hey, attendez. J'ai besoin de votre arme. Vous devez être tombé sur la tête. Écoutez, monsieur l'agent. Shérif adjoint. Ok, monsieur l'adjoint. Ça va très bien, Bad Boy Gamerang, merci. Écologique. Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? Allez, fais pas le con, sois un héros, sauve-lui la vie, fais-lui ton gun. Un simple couteau de poche? Allez, prenez-le. C'est tout ce que vous aurez. Maintenant, au garage. C'est un ordre. Il a pas confiance. Bon. Faut dire qu'est-ce que je vais faire d'un couteau? Je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Enfin, pas l'avocat du diable, mais un petit peu... Pour vous remémorer le jeu. Il y a eu des disparitions, donc évidemment, lui, il arrive, le flic, il se pointe à la fenêtre, et il me voit en train de crier comme un dément, il y a du barbelé et tout. Bon, il me donne pas son flingue, hein, on peut comprendre. Il nous a dit d'aller au garage. Mais d'abord, avec le coupe-coupe, on peut ramasser les choses. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, bah il y avait le Chatterton. Et toi, comment vas-tu, Bad Boy Gamerang? Ça faisait un petit bout de temps, en quelques jours. Eh ben voilà. Salut là, ça va? Eh, on doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul au milieu de la nuit. Moi? Et vous alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Eh, remontez cette corde. Ah bah tant mieux, bad boy. Ah, effectivement, ça va beaucoup moins bien marcher maintenant. Pour les mots croisés, c'est mort, hein. Enfoiré! Je l'aimais beaucoup, moi, cet homme! Alors, si je me souviens bien, faut un petit peu l'esquiver. Moi, là, la manette, c'est quand même beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Ah, il faut la clé! Merde! Comment on se barre? Voilà, moi, j'ai une clé là. On va le feinter, on va le feinter. N'ayez pas peur, j'ai déjà fait le jeu. Je me souviens de cette séquence. En VR, c'est l'enfer. Ça fait peur. Mais c'est trop bien. Mais oh le coquin! C'est moi! Il m'a pas laissé le temps. Et il y a un flingue là. Ah bah oui, voilà. C'est quand même mieux que le coupe-coupe. Et il a pris la caisse! Tu ferais mieux de commencer à courir! Enfoiré!
Oh mais putain, il va me tuer. Enfoiré. Là j'ai bien joué, vous pouvez me le dire sur le chat quand je joue bien hein. Le coupe-coupe. Il est où mon couteau? Oh merde. Oh il est pas mort. Eh oh le padre, il faudrait peut-être un petit verre d'eau là. Oh la vache. Regarde-moi le bordel que t'as foutu. Oh putain de ta mère. Pardon. Coquin. Ah c'est un genre grand c'est Michael Bay un peu hein. Will Trevor il a eu c'est il a mal géré là. Bon c'est une séquence qui que j'avais fait plusieurs fois bah le flic là par contre hein, malheureusement j'ai pas retenu son nom, n'hésitez pas à me le dire. Comment on recharge? Il doit recharger tout seul. Bon c'est, en fait c'est le flingue du flic hein, si je suis pas trop bête. Donc là la voiture est niquée. Là il y a du bug un petit peu mais ça va. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un remède, ça nous intéresse. Ok. Vous avez vu ça? C'est quand même drôlement bien agencé, hein, le souci du détail. Et pour répondre à Nick Taras, oui, c'est un Resident Evil qui revient aux origines, c'est-à-dire un jeu d'horreur. Regarde-moi bien, fiston. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Putain! Ça vous plaît? Oui, c'est moi qui l'ai fait! Profonde, c'est ça. Attendez, non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Il y avait quelque chose à faire sur l'étagère, j'ai vu. Ethan. Il s'appelle Ethan. Eh oui, on a besoin de ça. C'est, vous avez vu, c'est le corps du canasson qu'on a besoin. On allait partir sans. Et voilà, la statuette taureau. Putain, mais le Mercier 2.0, tu gardes les deux meilleures secondes quand elle fait le golem, ça suffit. Est-ce que je veux déjà? As-tu vu que j'avais supprimé le début pour te faire plaisir? Ça, tu me l'as pas dit. Je prends en compte hein, ce que tu me dis. Hein. Pas l'air comme ça, mais. Allez hop. C'est une affaire qui roule. Il faut qu'on retourne à la porte principale. Puisque maintenant, on a la statuette. On va garder le flingue. Vu qu'on a de la petite munition, on a de l'émo, comme disent les anglo-saxons. Moi, je propose qu'on fasse une petite save. Hein, vite fait, pour pas qu'on a... Ça, par contre, on peut les casser, hein, ça, si je me souviens bien. Eux, là. Alors, ça sert à rien, mais moi, j'aime bien le faire. Ok, on reprend le couteau. Ah, je sais que vous êtes en train de vous régaler, hein. Resident Evil 7, ça, c'est pas... C'est pas donné à tout le monde de regarder un stream avec avec Resident Evil 7 et un c'est vrai. Vous êtes gâtés. C'est ça que je veux dire. C'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui stream ce jeu. Puis là, au niveau qualité, là... Je me suis pas foutu de votre gueule, hein. Ça rame à peine, hein. Bon. Et bien là, mes amis... Nous sommes dans le hall principal. Alors, autant vous dire qu'en VR, on se fait caca dessus. As-tu fini de tripoter la nouille et bosseron? Alors, je sais ce que ça veut dire, mais je n'ai pas eu l'impression de l'avoir fait. En tout cas, c'est plutôt pas mal ce jeu. Vraiment pas dans l'atmosphère ou l'angoisse, mais bien rigolo. Bah, parce que je raconte des bêtises. Mais je t'assure que si tu joues en VR, c'est pas du tout rigolo. Ah, j'arrive. Je prends une petite pièce en antique et j'arrive. Décidément, on n'arrête pas de m'appeler. Je suis très demandé. Ah bah, c'est bien la peine de m'appeler si c'est pour rien me dire.
Ça devait être encore un démarcheur pour vendre du tapis ou de la gnôle. Est-ce qu'on peut l'ouvrir cette petite porte? Ah non, là c'est un cerbère. Ah, oh bah faudrait savoir. C'est orange? Mon père t'a donné du fil à retordre? C'est ton père? Un gigot d'agneau. Il l'a été. Je suis désolé, mais... Ah, c'est son papa. Il est mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver, en fait. Quoi? Arriver à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, mais tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi, mais je ne peux pas t'en parler. Ah bah... On est bien aidé. D'accord. Mais moi je le ferai, mais je pense pas que je le ferai. D'accord. On est d'accord. Donc là c'est la porte scorpion. Évidemment elle est fermée. Il va nous falloir quelque chose. Là, pendule d'horloge. Ah, on pourrait le remettre à l'autre. Vous vous souvenez de l'autre? Là il y a une petite herbe. Dis donc, mon inventaire il va être drôlement... Il va être plein bien vite. C'est marqué quoi là? Shoot me, shoot me. Pas de problème. Je retourne à l'autre pendule pour lui mettre. C'était pas dans la... Me souviens. C'était où il y avait la vieille. C'est là. Décidément, ce soir, vous êtes gâtés. J'ai une mémoire. Vous avez vu ça? Allez, pendule d'horloge. Un pendule provenant d'une horloge. Il est écrit séjour. C'est parti. Et voilà! Bordel! Tête de chien blanche! Allez, on a déjà récupéré un des éléments qui va nous permettre d'ouvrir la porte. Ah, mais hier j'ai voulu briller, j'ai été un feu de paille. Hein? Feu de paille. Là, ce soir, c'est l'éclipse. Non, c'est pas un bon exemple. C'est l'aurore boréale, voilà. Ce soir, je suis une aurore boréale. Hier, c'était merdique. Là, ce soir, vous allez être gâtés. Encore plus que d'habitude. Alors, on regarde notre objectif. Obtenir les 3 têtes de chien pour ouvrir la porte. On en a déjà une, coquin. Donc, la porte scorpion, c'est mort. Le cerbère, on peut déjà se libérer un slot en mettant la tête. Hein, on est d'accord. Voilà, c'est Hiroshima ce soir. Mais alors, ceux qui ont eu de la famille qui a péri lors d'Hiroshima seront ravis. Plus de 20 disparus en 2 ans. Eh ben, dis donc. Là, on a un rétroprojecteur. Sky Hunter. Un tableau intitulé Le chasseur des cieux. Ah ben, j'ai pas le temps de lire. Il représente un chien qui regarde en l'air et aboie. D'accord. Oh, il va falloir qu'on mette quelque chose là. Bon, j'ai fait le jeu 2 ans après sa sortie, mais je me souviens pas de tout. Hein. Il va falloir jouer avec l'ombre, hein, vraisemblablement. C'est comme j'aime dire vraisemblablement. Hein. Bon, bah, moi je propose, vu qu'on est arrivé de par là, qu'on monte à l'étage. Hein. Ah non, il y a une petite pièce qu'on n'a pas faite ici. Bonjour monsieur. Oh, c'est un fin patriote! J'ai l'impression. On peut pas vous prendre votre shotgun? Ce serait bien utile. Ah oui, évidemment, c'est comme dans Resident Evil, premier du nom. On ne peut pas. On ne peut pas, c'est malheureux. Il va falloir qu'on trouve quelque chose pour faire leurre. On va leurrer. Allez, on monte à l'étage. Eh eh! Dit-on. Ce serait pas la vieille? Alors, au niveau de l'éducation de vos gamins, hein, on en a déjà parlé tout à l'heure après le festin. C'est toujours pas mieux. Votre fils a essayé de m'écraser avec sa bagnole. Il a fallu que je sévisse. Si vous trouvez qu'il est un petit peu brûlé, c'est normal. Il y a eu bagarre. On a été obligé de se battre. Ah, une petite photo là. C'est une petite photo qui fait un petit peu dessin. Ah, Evelyne 2 mai 2014. Très bien. C'est le boss, la belle-mère. C'est la belle-mère, c'est la maman. C'est la maman de la famille. Alors elle est là. Elle regarde ce qui se passe, disons. Bon là, on a une autre porte. C'est la porte serpent.
Elle est verrouillée. Alors on se souviendra. Porte serpent à l'étage. Porte scorpion au rez-de-chaussée. Il n'y a pas une autre. Ah si, il y a une autre petite porte. J'ai fait un petit peu vite. Je parle à Mac, madame. Madame, si ça vous dérange pas, on va fouiller votre maison. Merci. Très bien. Là, on a un petit casque de hockey. De hockey. De footballeur américain. Sur mon petit flingue, hein, oui. La matriarche séchée. Oui, elle est pas très fraîche, c'est vrai. Mais bon, hein, on sera tous comme ça un jour. Hein, alors. Là, il y a une autre petite porte serpent. Donc ça en fait deux. Hein. Bon, je continue par là. On va bien voir où tout cela nous mène. Hein? Ok. Alors, le souci du détail, hein, vous remarquerez. Ils sont revenus aux sources. Bah, il y a beaucoup de gens qui ont pesté sur Resident Evil 6, moi le premier, hein. Mais ce fut un succès commercial, hein. Il a été très très bien vendu. Mais par contre, Capcom a comme... Ah, regardez derrière. Il y a le shotgun. Il nous le faut. Voilà, je vous disais, mais Capcom a voulu quand même redorer son blason avec un jeu qui revenait aux origines, c'est-à-dire la peur, et puis le jeu d'horreur, tout simplement. Donc ils nous ont fait Resident Evil 7. Et voilà. Hélas, moi, véritablement, j'étais ravi. Donc, comme je vous le disais hier, je n'y ai pas joué. J'ai attendu 2 ans pour pouvoir l'acheter et me le faire en VR, en attendant que le prix du VR soit décent, on va dire. Et là, c'est ma meilleure expérience vidéoludique depuis bien longtemps. Marguerite, vire du hall ce connard d'hippie qu'on a attrapé et fous-le dans la zone de traitement. Bon, pas d'accord. Elle parlait à qui? Elle parlait à Marguerite. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Marguerite ici, hein. C'est peut-être la mère, hein. Là, on a encore du moyen de visionner quelque chose. C'est ce qu'on va faire, hein. Non, le souci du détail. Là, on est revenu au Survival Horror. Après, c'est le jour et la nuit, hein. Resident 1, 2, 3. Resident Evil 6 et Resident Evil 7. On a la cassette Mia. On va se la regarder, hein. J'inspecte encore un petit peu, mais on va se la regarder. Bon, là, on n'est pas con. Et ben voilà! On a retrouvé une autre tête de chien. Et de la poudre à canon. On va pouvoir crafter, hein. Donc le jeu, j'ai dû le faire. Ah, il y a quoi? Il y a 3 ans? Je sais plus. Allez, on se lance la cassette. Elle est où? J'ai déjà mon inventaire qui est plein. Non, Resident Evil 6, c'est pas avec la fille du président, s'il te plaît. Avec la fille du président, c'est Resident Evil 4. C'est vraiment c'est le meilleur pour moi. Non, non, non. Fais attention. Hein. Ça va qu'on était entre nous. Hein. Il y a des gens qui auraient pu t'insulter là. Alors, c'est une vidéo qui date de 19 juillet 2017. Mia Winters, Old House. Ethan, please watch this. C'est pour nous donc. Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Nous étions très inquiets, jeune fille. Je peux pas la laisser m'attraper à nouveau. Je suis vraiment lasse et fatiguée de ton petit manège, jeune fille. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Pourquoi est-ce que tu Excusez-moi. Excusez-moi, ça m'arrive des fois. J'ai fait pour mériter ça.
à part t'ouvrir ma maison et te nourrir. J'espère. J'ai oublié depuis longtemps, alors j'ai dit plein de trucs. Je disais que maintenant on incarnait Mia et qu'on devait échapper à la vieille. Si on reste caché, normalement ça devrait le faire. Et que j'avais fait cette séquence en... Je vous répète ce que j'ai dit, hein, pendant que le micro était off. Et que j'avais fait toute cette séquence en PlayStation VR. Et j'avais beaucoup souillé de slip. L'expérience en VR de Resident Evil 7, ça rigole zéro. Hein. Comme dirait notre bon Mister MV, que tout le monde apprécie. Surtout sur ce stream. Non, Resident Evil 7 en VR, c'est chaud chaud. Pas pour le moment. Pas pour le moment, mais moi j'aurais bien aimé pour le moment. Ah! On peut pas le prendre? Alors c'est peut-être une phase, comment dire, flashback où on ne peut pas prendre les armes. Elle est où là, la vieille? Peut pas me voir, peut pas me voir. Je sais que vous complotez avec Zoé. Je sais que vous m'y jetez quelque chose. Je m'en complote rien du tout, madame. Je crois que je ne sais pas ce que tu veux faire avec cet Ethan. Non, on veut pas faire l'amour. Alors, la question c'est comment nous, qui avions 3 ans auparavant un petit ami, on s'est retrouvé à devenir la fille de ces gens-là, quoi. Ouais, voilà. C'est, a priori, c'est nos parents, mais ça m'a l'air chaud. Pourquoi on peut pas le prendre? Parce que j'ai mon inventaire qui est plein. Ah bah non, il est vide. En fait, on peut pas prendre les armes, là. C'est du flashback. Enfin, je crois, hein. Non, ne viens pas par ici. Putain, mais elle vient. On s'est fait baiser, là. Oh là, mon Dieu. Oh là là. Allez, là, fais pas la conne. Enfin, fais pas la coquine. Oh putain, on court. Oh là là, mais non, madame. C'est pas moi, c'est Billy. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est reculer pour mieux sauter. Oh, qu'est-ce que je suis naze. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Bon, on peut pas là. Non, va falloir qu'on se cache. Ouais, ouais. En fait, il faut attendre qu'elle parte, hein, je pense. Je sais plus de quand il date, je crois que c'est 2007, hein. Je sais que vous complotez avec Zoé. 2005, je 2003. Sais que vous m'y jetez quelque chose. Tu crois, oui, ça doit être ça. Nictaras. Non, non, un jeu excellent, hein. Capcom là-dessus, il s'était pas foutu de notre gueule. Un très beau retour, Resident Evil, enfin Biohazard a repris ses lettres de noblesse grâce à cet opus. Et j'ai hâte, le mois prochain, en mai, va sortir Resident Evil 8 Village. Et je m'attends à ce qu'il y ait une version VR, évidemment, un peu plus tard, hein, ils vont le vendre deux fois. Vu que le jeu ressemble énormément à celui-ci au niveau des mains, il va être en VR. Bon, normalement, on se fait pas avoir, là. Ah, je joue avec le feu, là. Elle va repartir. Je crois pas que je puisse faire le tour. Non, je vais attendre qu'elle... Voilà, là, je peux. Là, je peux me casser. Alors encore une fois, en VR, ça, toute cette séquence-là, c'est caca dans la culotte. Pas d'autre mot. Je te jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. Ah bah... Chacun ses hobbies, madame, hein. Mais vous êtes pas obligé de m'en parler. Je sais pas quoi faire, là. Comment je peux passer? Il veut pas. Nous t'ouvrons notre maison. Nous t'ouvrons nos cœurs. Qu'est-ce qui... J'ai dû merder quand j'étais sur le balcon. Je vais retourner. J'ai dû merdouiller en étant sur le balcon. Vraisemblablement, c'est ce qui s'est passé là. On va recommencer. Oula. Là, voilà. Ou alors elle va ouvrir la porte. Non, c'est bon. C'était ça.
J'ose pas ouvrir. Non, maintenant c'est fermé. Bon, je retourne là-bas. J'ai dû louper quelque chose. Quelque chose d'essentiel. Ah, ça y est, je peux avoir accès. Il va falloir faire l'ombre. Hein. Alors, on n'est pas trop con. On va prendre l'objet, le coin qui est comme ça. Voilà. Non, pas du tout. Attendez, qu'est-ce qui pourrait faire office? Non, c'est... Attendez, je vais trouver, hein, je vais trouver. Il faudrait déjà que ça fasse le... En fait, j'aimerais reproduire déjà le bras, là. Comme un bras d'araignée. Hein. Voilà, genre ça, vous voyez? Ça doit être quelque chose... Non. Alors chez moi ça pixelise à mort, chez vous pas trop, ça va. Pas trop, pas trop. C'est communément ce qu'on appelle un casse-tête avec ombre chinoise. Il a l'air pas mal celui-là. J'arrive à le retourner complètement. Non, c'est pas ça. Ah, ah, ah. Ça ressemble déjà plus à une araignée, là. Attendez. C'est pas simple. Ah, voilà. On y arrive, on y arrive. On y arrive. C'est bon, là. Est-ce qu'une fois que je l'ai fait, il me le dit ou... Ouais, c'est bon. Excusez-moi, il fallait que j'appuie sur A en fait. Je pensais que ça allait le faire automatiquement. Oui, oui, mais le jeu est rempli de très très bonnes idées. Ce qui est très bien, c'est que Nyctaras et toi, Léa, et Eve, peut-être qu'elle est là, je ne sais pas. Ou, bon, je pense que Bad Boy Gamerang, il a dû le faire. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez découvrir, il y a plein de bonnes idées. C'est vraiment un très 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 bon jeu. Hein. Donc là, ça nous a fait... J'ai pas regardé. Ça a ouvert cette... Ici, quoi. Et voilà, regardez. Là, on a l'araignée. Donc là, on va se faufiler dans les entrailles de la maison. Ça me fait penser un peu au film de John Carpenter, Le sous-sol de la peur. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça reste quelque chose à voir. Très sympathique. Je conseille. Le sous-sol de la peur. John Carpenter. Bon, on est repassé de l'autre côté, là, du coup. Petite save, qui est vraiment la bienvenue. Pas envie de refaire cette séquence. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Putain de ta mère. Toi. Tout ce que tu dois faire, oula, c'est oula, accepter oula, oula, ton satané don. Elle nous demande d'accepter le satané don. Hein? Pas tout de suite, madame. On va déjà passer notre bac. Bon, là, ça va. Nos démons, ouvre les yeux. Si vous entendez des hurlements de bébé, c'est pas dans le jeu, c'est le mien. Non, ma femme est dans la cuisine en train de la torturer. On essaye de comprendre jusqu'où on peut aller, voilà. Là, on a encore une nouvelle petite photo. Donc, c'est de... Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, ta mère! Où crois-tu aller comme ça? Je me suis fait avoir. En VR, je m'étais chié dessus, là. Je m'en souvenais plus. Eh ben d'accord. Je me suis fait avoir. En VR, c'est horrible, hein. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a le visage qui est là, à 10-15 cm de vous. Ouh! Il y a des moments, j'étais tout seul dans mon salon. À cette époque-là, je vivais seul. C'est pas simple d'ailleurs. Oh là là, je criais. Je me souviens, je jouais la nuit, j'étais là.
Bon, je faisais pas exactement ce bruit, mais bon, j'ai compris. J'ai compris. Je l'avais vu au cinéma, j'ai oublié mon pantalon. Me dit Nick Taras. Ok, donc du coup, ce qui est bien avec les flashbacks comme ça, c'est que ça nous permet de savoir où se trouvent certains éléments, et puis de voir à l'avance les lieux, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ici? On dirait qu'une tempête approche, 2 octobre. J'ai eu beaucoup de mal à nettoyer après la dernière qui a eu lieu il y a quelques années. Je crois qu'il est temps de renforcer les fenêtres et de consolider le toit. Je vais peut-être demander à Lucas de m'aider. Alors ça c'est le padré qui parle. Hein. 9 octobre. L'eau s'est enfin retirée. La maison n'a rien. Mais la vieille maison est sacrément endommagée. Lucas nous rabat les oreilles à propos d'un énorme navire qui se serait échoué dans le bayou. Dans le bayou. Si c'est vrai, je ferais mieux d'en avertir la paroisse. J'irai voir ça demain. Le bayou. Donc il y a Lucas, c'est le fils de la famille. Il y a le padré, il y a Marguerite la maman, Lucas le fils, et Mia la fille. Bon, ça on l'a déjà lu. Alors vous voyez, ça m'intrigue. Il va nous le falloir. Et pour l'ouvrir, il va nous falloir forcément un petit crochet. Ok. Donc on va ressortir. On a une petite tête. Et ben là on se retrouve justement. Non, allez, on va aller attaquer la caisse là. On a une mission de pistolet, très bien. Ok. Ah pareil, là il nous demande quelque chose pour ouvrir. Les clés de voiture, on en a plus besoin. Hein. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Il doit... Non. Déplacer. Ok, fermé. Non, on peut pas. On peut pas. Je garde mon petit pistolet pour le moment. Non, la maison est vraiment... Est vraiment fantastique. En plus, j'avais regardé une petite vidéo sur YouTube en nous expliquant que quand on y joue en PlayStation VR, ça nous fait travailler une partie de la mémoire qui n'est pas la même que la mémoire quand on joue. C'est-à-dire qu'on a véritablement le souvenir d'avoir été dans la maison. Et c'est mon cas. C'est-à-dire que la maison, je m'en souviens, quoi. C'est comme si j'y avais été, vu que notre mémoire, on la dupe. On va aller tout de suite mettre la seconde tête de chien. Comme ça, ça va nous libérer un slot. Comme on a fait là pour la première. Donc, on a fait ça. Là, maintenant, c'est obtenir le fusil. Hein, notre... Obtenir le fusil. On va remonter. Parce qu'il y a un endroit où nous ne sommes pas allés. Hein. Soyez pas surpris si vous avez l'impression que j'ai un langage un petit peu soutenu, c'est normal. Hein. Pourquoi je raconte ça? Ah non, fais pas le malin avec des jeux comme ça. Là. Parce que là on a tourné à droite, mais on n'a pas été à gauche. Ok. Voir un petit peu d'herbe, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il y a par terre? Rien. Et puis c'est vraiment survival horror, on n'a pas beaucoup de balles. Ça me plaît quoi. Tout le début est mortel. Ah. Petite salle d'eau, hein, Léa. C'est spécialement pour toi, ça. Rien dans le tiroir. Yes, avec le VR, ça doit faire bosser la mémoire situationnelle, c'est ça. Je connaissais pas le terme. Allez, on vide la baignoire. Tu découvres le jeu via tes propres yeux et pas ceux du personnage, ça ouvre vraiment pas mal de possibilités. Ah oui, non, mais c'est terrible. Je pense d'ailleurs que il se limite. Ah, on a une autre. On a une autre pièce, il va falloir qu'on retourne, vous savez, où il y avait le premier jeu d'ombre. Alors je crois qu'il était en bas. Hein. Mais oui, il était là où il y avait près du fusil, non? Je crois. Hein. Et puis des balles de pistolet. Bon, je crois que là on a tout fait. Oui, même si... Oh putain! Eh oh, padré! Ça surprend, tu trouves pas? Encore plus fort que la mort. Ma petite fille nous a donné un don. Et ce don est avec moi en permanence. Bon, de toute façon, comme ça nous fait de voir que... Putain.
Alors en VR là je peux vous dire. T'es foutu. Ah là il y aura un escalier. Ah non 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 c'est pour mettre les queues des queues de billard. Bon là c'est fermé aussi. Non non on retourne, on descend. Elle est toujours là la vieille? Eh. Elle est plus là. Ah bah bravo. Lors de la mouche évidemment. On redescend, on va faire le petit jeu d'ombre. Le petit jeu d'ombre il était là, voilà. Alors, hop. J'ai pas regardé ce qu'il fallait faire. Bah, c'est un aigle. Hein. Alors, Alors, évidemment, l'idée est très bonne. Hein. Le problème, c'est que comme j'ai baissé la résolution. Ah, non, mais moi, je vois ce qu'il peut faire tête d'aigle en regardant la pièce. Attendez, attendez. Ça, c'est les pattes. Attendez, hop. Ça va être dû comme ça. Mais il est mal mis. Voilà, oh là là. Ça vous plaît? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Qui a construit cette baraque? Ah non, non, là c'est vraiment du survival horror. Il ressemble à aucun autre Resident Evil, celui-ci. C'est pour ça que je voulais vous le faire. Non, non, il est très spécifique. Et c'est pour ça que j'attends avec grande impatience ma PlayStation 5 que j'ai réservée à Micromania. Et j'attends le Resident Evil 8. Ah oui. Qui a conçu cette maison? Des charpentiers. Ok, je reprends mon petit coup de là. C'est plus facile. Ça me permet. Alors, on se reprend un petit peu de marijuana. Hein? On va essayer d'être ouvert d'esprit. On va essayer d'être ouvert d'esprit. La marijuana est autorisée là maintenant. Hein. Pour cette journée, elle est autorisée. Hein. Et pour ceux qui sont alcooliques, ils ont le droit à un petit verre d'alcool aussi. Hein. Ça compte pas. C'est pour du beurre là. Bon, là, il va nous falloir aussi quelque chose pour ouvrir la porte, décidément. Vous marquerez, il y a des portes serpents et des portes corbeaux. Hein. Petite ambiance Hannibal, la série dans cette pièce. J'ai beaucoup aimé la série Hannibal. Hein. Ah, utiliser les psychostimulants pour repérer les objets. Ah oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai absolument pas utilisé lors de mon premier run. J'avais pas du tout utilisé les psychostimulants. En fait, ça met en surbrillance le... Bah, les objets ramassables, les items. Bon, on arrivait de par là, bon bah... Hein, vraisemblablement. On va aller par là. Là, pareil, c'est une caisse qui va s'ouvrir avec un coupe-coupe. Il faudrait qu'on retrouve un inventaire pour pouvoir se délester un peu, hein. Et bah c'est joli, ça. On dirait un dessin d'enfant. Oui, c'est... Bah, c'est Mia qui l'a faite. Qu'est-ce qui est écrit là? 14 juin, couple en vacances, résultat concluant pour le mari, il est 12e. Malheureusement, la femme n'était pas apte, donc on va se débarrasser d'elle. Ils sont responsables de toutes les disparitions, le couple là, la famille. 7 juillet, 3 étudiantes, elles ont pourri toutes les 3, Lucas est un imbécile. 17 août, sans abri, il a muté en 3 jours, c'est le 13e. Ah, il y a mutation? Il se passe des choses. C'est ce qui fait le lien avec les Resident Evil. Hein. Je vous le dis. Bon, c'est pas vraiment spoilé. Bon, de temps en temps, le jeu ramouille un peu, mais je suis quand même de très bonne humeur parce que j'ai vraiment travaillé sur le PC. Ah, pièce antique. En poudre à canon. Ou pièce antique. Ah, dans le cendrier. Putain, je l'avais pas vu. D'accord, d'accord. Et là, une petite caisse. On va l'ouvrir. On a dit un verre, Léa, pas une bouteille. Ouh lolo. Qui a envie de mettre sa main là-dedans? Personne. On est d'accord, on peut rien faire. C'est juste du sale. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est les gens qui ont disparu, c'est les photos des gens qui ont disparu. Tous ces gens sont peut-être des victimes, oui, voilà.
Bon, je ziote un coup, mais je pense qu'on a bien fait la pièce, là. Ah oui, d'accord. Je vais reprendre mon flingue, hein. Oula, 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 oula. Bonjour. Oula, 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 oula. Je trace. Je sais pas si je fais bien, mais je trace. Où on peut aller là? J'ai perdu des munitions pour rien du coup. Hein. On peut pas ouvrir. Hein. Non, 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 rentre pas dans la serrure. On continue, on continue. Il nous suit pas. C'est une bonne chose. Oh putain. Ça, je me souviens de cet escalier qui descend en bas. Avec le casque VR, à chaque fois. Fallait que je prenne mon courage à deux couilles. Hein. Ah. C'est ce qu'on appelle... Vous entendez la petite musique, là? C'est la safe room. Hein. La safe room. Là, on est bien. Là, on sait que personne peut nous attaquer. Petite musique. Hop. On va pouvoir mettre des choses dans notre... Décidément, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas ouvrir. Il faut qu'on trouve des petits croches-croches pour les ouvrir. Allez hop, on va ouvrir ça. La cassette de Mia, on va la ranger. Les clés de bagnole, on va les ranger. Produits chimiques, enfin fluide chimique. Un liquide pouvant être combiné pour créer des objets utilisables tels quels. Poudre à canon. Ah, on la combine avec... Et voilà, là on a Bon, je vais faire pareil avec l'autre. On va avoir des... Voilà, on a des munitions pour le fusil à pompe. Ça, c'est très bien. Bon, on n'a pas encore le fusil à pompe. Et on a des pièces antiques. Ok. Bon, ça me paraît pas mal, là. Hein. Et là, on a un petit truc à lire. Courtenay, ces enfoirés sont à mes trousses, mais peut-être que ça te donnera une chance de sauver ta peau. Il faut absolument que tu trouves les têtes de chiens sculptées qu'ils utilisent comme clé. On en a déjà deux là. Hein. Il nous manque la troisième. J'en ai vu une dans la salle de dissection au sous-sol. Eh ben voilà. Faut qu'on aille au sous-sol. Mets la main dessus, c'est le seul moyen de t'échapper. Eh ben merci à toi. Pour ce précieux indice. Une petite sève du pauvre parce qu'on a très peur de mourir, évidemment. Bon, pour l'instant ça roule, hein. Bon, bah on descend. Hein, hein. On descend. Ah, j'emmenais pas large avec le verre. On va passer un petit peu à l'extrémité gauche. Bon, là, il y a eu mucus, hein. Mucus noir. Le pire, certainement. Salut, madame. Au revoir, madame. On va plutôt passer à droite. Finalement. C'est verrouillé de l'autre côté. Bon, bah, très bien. Enfoiré! Je me mets un petit peu de soin. Et les balles, on va les garder. Hein. Vous savez quoi? J'ai l'impression qu'ils sont drôlement résistants. Putain. Là, j'ai pu le parer un peu. C'est bon, je lui ai éclaté la tête. Bon, c'est du bien joué, hein. C'est quand même bien mieux, hein, quand le jeu tourne. Hein. On a de la poudre à canon. Il y a ce qu'il faut d'action, il y a ce qu'il faut d'énigmes, il y a ce qu'il faut d'horreur. C'est parfait, c'est le jeu parfait. Là, je vois bien, vous parlez plus sur le chat. Ben oui, vous êtes charmé.
Travis. Ah ben c'est là qu'ils mettaient les corps des gens qu'ils ont capturés ? Voilà, nous sommes à paix, voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ose pas ouvrir, moi. Tamata. Sean. Il va y avoir une petite surprise. Oh bah oui, forcément, ça va être le dernier. C'est ah, le dernier est verrouillé. Ok. Il y a une note. Lucas. Alors, Lucas, c'est le fils hein, de la famille de cinglés. Hein. J'ai attrapé le type qui passe son temps à essayer de s'enfuir. Je l'ai enfermé dans l'incinérateur tout à gauche. Ah bah c'est celui qu'on n'arrive pas à ouvrir. Pour qu'il ne puisse plus s'échapper. Cherche-toi de lui quand il sera prêt. Tu te souviens comment ouvrir la porte, n'est-ce pas? Retiens juste ça. 3A. Et une empreinte de main. Fais ce que tu veux de la fille. Attends. Tu te souviens comment ouvrir la porte, n'est-ce pas? Retiens juste ça. 3A. Et une empreinte de main. Attendez. Lara, là il y a une empreinte de main. On peut le refermer celui-ci. Trois A et une empreinte de main. Faut mettre des prénoms avec EDA. Mais ils ont tous des noms avec EDA. Tamata, oui. Ça serait Tamata et puis on laisse le ouvert le. Ah c'est ça, bravo. Comme ils en avaient tous. Ah mais oui, bravo. Et merde. Ah la vache. Ah il m'a tué. C'est pas grave. Je pense qu'il y a une save pas loin. Enfin juste à côté. Ah ils nous remettent là. Un petit peu des bâtards. Bon ce qui est bien c'est qu'on sait déjà qu'il faut qu'on tourne à droite. Tout de suite. Ah, c'est verrouillé de l'autre côté. On va le passer le premier. On sait comment faire maintenant. C'est bon. Oh putain. Ah mais merde, on se retrouve avec les deux. Ah non, c'est chaud. Allez, recharge, charge. Non mais... Mais oui, mais non, mais pas tout de suite. Allez, cours, 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 cours. Cours, mon beau. Et recharge. Allez, pointe-toi, pointe-toi, pointe-toi. Il est où, il est où? N'aie pas peur. Là, on lui a... C'est bon. Ok, ils sont pas si durs, il faut leur tirer dans la tête. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on avait ramassé? Que dalle, hein. C'était juste de la note. Ah si, ça, on peut l'ouvrir. Alors, on recommence. On a dit celle-là et... Chocho, la récompense de Lening, oui. Mais je pense qu'il a, il doit avoir sur lui ce qui nous intéresse. Bon, on peut se soigner encore. Je regarde ce que j'ai dans mon inventaire. J'ai 5 herbes. On peut combiner? Comment ça marche? Une plante aux propriétés curatives restaure une petite quantité de vie. Comment on l'utilise? J'en ai utilisé une là. Ça remet pas beaucoup de vie hein. Putain! Putain. Allez, casse-toi! Mais merde! C'est agaçant!
J'ai joué super bien, mais... Moi qui voulais que ça soit fluide, là. De Dieu. Bon, là, on se fait pas avoir. On sait que c'est fermé. Bon, on se fait suicider, hein, parce que de toute façon, on est obligé. Hein. Allez, radine-toi, mon gros. Ah, c'est bon. Alors, si on leur fait vraiment un bon headshot, c'est bon, hein. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Le troisième, on fait gaffe. On fait gaffe. En plus, il est un peu plus fort que les autres, vous avez vu. Il a une espèce de mandibule en plus. Je serais tenté. Il est trop rapide, le morveux, pas le temps de... Ouais. Je vais ouvrir et je vais me barrer. Et on va essayer de se faire dans le couloir à la dégueulasse. C'est là où on est les meilleurs. Il veut pas venir. Putain, mais... Allez, cours, 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 cours. Allez, on recharge le flingue. Allez, recharge, 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 recharge. C'est bon. On l'a désingué, là. Ah, c'est bon. Il nous laisse pas quelque chose ? Alors c'est peut-être dans le tiroir. Dans le long, il y a la tête de chien. Ah non, clé de la salle de dissection. Ah oui, il nous a dit que la tête était dans la salle de dissection. Je pensais que c'était ici, mais ça c'est pas une salle de dissection, pardon. Bah je vais vous le dire. C'est une zone de traitement. Bon. On s'enfonce un peu plus, hein. Workshop. C'est verrouillé de l'autre côté. Je regarde sur la carte où on est, d'accord. On peut aller à gauche. Oh là là, on est en train de faire une VOD magnifique. Hein. Qu'est-ce que... Ça, c'est le bruit de porte qui ferme fait le bruit d'un coup de feu. C'est pas terrible, des sections. Alors je t'invite à écouter Storm of the Lax Bands, puis après tu reviens, tu me diras si c'est pas terrible. Allez, petite pique musicale, ça fait pas de mal. Oh putain, j'ai bien fait, j'ai entendu qu'il y avait par derrière. C'est bon, il y en a un qui est dead. Allez, viens là, mon coquin. N'aie pas peur, ma belle. Peut-être pas de bonne idée de s'être enfermé. C'est bon. Oh putain, on a plus beaucoup d'émo aussi, hein. Il nous en reste 13. Oh, je suis tenté d'aller voir vite fait là ce que c'est. Oh, ça se trouve, je suis en train de faire une erreur gravissime. Comment ça, t'es de retour? Ça veut dire que t'étais parti? Alors qu'on est en train de faire la meilleure VOD? On peut prendre ça? Non. Qui quoi? On a le plan de la zone de traitement, très bien. Attendez, on va revenir ici, mais je veux terminer où j'en étais ici. Attendez, je regarde. On doit aller à la salle de dissection, ouais, donc c'est par là vraisemblablement. Ah, on n'est pas trop bête. Putain, on a trouvé du produit chimique, on va pouvoir se refaire faire des balles. Non, on peut pas. Bon, je me suis mis un petit peu de vie. Je me suis autorisé parce que j'ai vu que là, il y en avait une autre. Hein? Pas t'es trop gourmand. Et j'adore le fait que la porte se pousse. Oh putain, il y en a un là. Allez, cours, 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 Forest. Oh, joli, joli.
Ça c'est du bien joué. Tout le monde est impressionné entre mon chien et Valérie. Tout le monde est impressionné par mon skill là ce soir. Il y en a un autre, putain. On n'a pas le temps là. Oh putain, il est déjà là. Attendez. Je regarde ma map. Non, il faut absolument que j'aille là-bas. Hein. Oh l'angoisse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il me faut la clé, je l'ai pas. Si. Allez. Oh putain de ta mère. Il va pas rentrer. Voilà, il est parti. Ouh loulou. On sent l'expérience de Dead Space. Oui, un petit peu, ça me revient hein, quand même. On a la tête de chien. J'allais être son père. Mais maintenant, elle dit que c'est lui qui serait son père. Il y a le flic derrière. Je vais le trouver. Et je vais le faire souffrir. Et toi, mon pote, tu vas m'aider. Alors, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, les monstres au couteau. Hein. J'en suis pas là. J'imagine que c'est peut-être faisable. Je regarde un petit peu là où on est. Ok. Il y a des pièces qu'on n'a pas faites. Hein. Alors, oui, cartouche fusil, mais... Faut qu'on obtienne le fusil à pompe. Hein. Ça se trouve, il fallait venir ici avec le fusil à pompe. Hein. On a été un petit peu coquin. Bon, allez, on descend. Je vais me reprendre une herbe. Hein, pour assurer nos arrières. Ok. Ça va, le stream est pas trop dégueu chez vous? Je me rends pas compte. Évidemment, je dis ça. Oh, mais maintenant, il nous faut. Obtenir les trois têtes pour ouvrir la porte. Vous savez quoi? On a les trois têtes, on va aller ouvrir la porte. Hein. Déjà, on va aller faire ça. On a les trois têtes, on fait ça. On fait dans l'ordre. Hein. Parce que moi, j'ai pas le fusil à pompe, j'ai pas envie de m'aventurer plus loin là. Je regarde vite fait la carte où nous sommes. On a été là. On continue. C'est nickel, mais on a toujours ce souci, du moins chez moi, du son trop fort sur ta voix et pas assez sur le jeu, mais ça reste confortable. Ah, il y a un monstre qui arrive, attends. Je peux mettre le son du jeu un tout petit peu plus fort. Hein. Tu vas me dire, regarde. Tu vas me dire si c'est mieux maintenant. Puis on va aller faire une save. Hein. On va aller faire une save. Est-ce que c'est mieux là? Je pense. Hein. Ça dépend des jeux, c'est ça qui est... On va aller faire une petite save et on va aller mettre la... C'est un peu mieux. Tu penses que je peux mettre plus fort? Moi j'ai vraiment peur en fait de mettre trop fort. On peut se débarrasser de quoi? Ça c'est quoi? C'est du fluide chimique fort. Peut-être combiné avec d'autres objets pour en modifier les propriétés. Plus fort que le fluide chimique normal. Ok, on garde ça. Allez, une petite save. Et on va aller mettre les têtes de chien. Je peux mettre plus fort encore hein. Je vais mettre comme mon micro. Comme ça. Non, normalement, là, pour vous, ça devrait être pas trop mal. Allez, on va aller mettre les têtes de chien dans le hall principal. Évidemment, il y a un petit coquin. Allez, radine-toi. N'aie pas peur. Ah, il nous attend à l'angle. Hein. C'est un petit coquin.
Et voilà, et ben voilà, fallait pas laisser sa tête dépasser. Ouh. C'est du bien joué ça, non? C'est du bien joué, évidemment. Évidemment, on n'est pas sur un... On n'est pas sur un stream de merde ici. C'est quoi cette pièce? Non, ça c'est la petite boîte. Bon. On a tout fait ici. Hein. On retourne à l'entrée principale. Là, il nous demande quoi, là, pour ouvrir cette porte? Pareil, hein, il nous demande une clé spéciale. Allez, on repasse dans les entrailles de la baraque. Ça va faire de belles captures pour des miniatures, ça. Ouais, mais je ne fais plus de captures. Je mets toujours à peu près le même truc. C'est plus efficace sur YouTube et sur... Je mets le truc du jeu avec, la même photo de moi. Pour moi, c'est plus rapide. Et puis, comme ça, j'ai pas besoin de télécharger le jeu. Je l'exporte directement de Twitch à YouTube. Allez, on va pouvoir ouvrir la porte. Normalement. Normalement. Ah. Un petit ramage, mais ça va. Ça va. Par rapport à hier. Mais elle où la tête? On a bien ramassé une troisième tête. Attendez, je suis complètement con. Je suis complètement con. On a ramassé une troisième tête, non? Quand on était dans la salle de dissection. Je l'ai rêvé. Évidemment, personne me répond. Léa, toi qui es une fille et qui a la bonne mémoire des choses. Dans tes quêtes, apparemment, il faut que tu la voles à Jack. Ah, mais oui, mais je suis trop con, il l'a prise, mais oui. En fait, on l'avait, mais... Ah là là, je suis tête en l'air. Tête en l'air, c'est le truc gentil pour pas dire con, quoi. Je suis très très con. Évidemment, on vient de le voir en cinématique. Mais comme mon esprit est pris par mille et un tracas, notamment que ça se gère bien, que ça soit fluide, que le son soit bon. Oh, Léa, elle suit même pas. Alors, ça. Elle a même pas vu que c'était le padre qui l'avait pris. Ça, c'est verrouillé de l'autre côté, donc on aurait pu la déverrouiller tout à l'heure. On l'a pas fait. On va y penser. Ça va nous éviter bien des malices après. À mon avis, pour le retour. Surtout. On va le faire maintenant, d'ailleurs. Alors, c'est pas là. Je regarde où on est. On continue, on tourne à droite. Voilà. Ici. Ça serait ça, hein. C'est déverrouillé. Et normalement, voilà. Maintenant, on pourra accéder directement à ici. C'est pas mal, ça. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est la clé scorpion. Donc on peut ouvrir une des portes scorpion maintenant. Photo d'un trésor. Ah, c'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est que... C'est qu'il y a des... On va la regarder. Hein. Il y a des photos qui nous montrent où il y a des secrets cachés. Donc là, ça va être dans une cheminée. Ça sera à vous de vous souvenir et de m'aider. Il y aura quelque chose à looter. Et on a trouvé aussi un petit tournevis. Enfin, moi j'appelle ça un tournevis, mais c'est pas ça. C'est un petit crochet. C'est un outil permettant de crocheter des serrures simples. Se casse facilement. C'est-à-dire qu'il... Bon, en gros, ça veut dire qu'il sert qu'une fois, quoi. Là. Ah, j'ai plus de place dans mon inventaire. C'est couillon. Je serais bien d'avis d'aller faire la clé scorpion. Hein. Oh là, par où on va là? Alors, qu'est-ce que vous m'avez encore écrit comme saloperie? Des petites chasses au loot comme dans Skyrim. Je ne vais pas tarder, moi. Ah bah voilà, c'est toujours quand c'est fantastique que Nick Taras y part. Non, mais c'est gentil d'être passé, ça me fait très plaisir. Pour rien vous cacher, j'ai cru que j'allais être tout seul ce soir.
les scorpions. Ce qu'on peut faire, c'est que je... Là, ça fait quoi? Ça fait 1h24. On se sera fait une petite VOD. Vous savez ce qu'on fait? On va ouvrir la clé scorpion, puis on fait une petite save. Et puis demain, on continue. Ouh là 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 là! Alors ça, si c'est pas du bien joué aussi... Hein? Et voilà! C'est qui le patron? C'est qui le patron, là? Maintenant, pour sortir, c'est quand même plus rapide. Oh putain. On passe. Ouais, 3 balles dans la tête, suffisent. Vamos pour la clé scorpion, ça me fait bien plaisir. Je crois qu'il y en avait une qui était pas loin. Hein. Je sais plus où exactement. De toute façon, il y en a un petit peu partout. Je crois qu'il y en avait une là. Hein. Non, bah évidemment, c'est une clé corbac. Ah, il y a des munitions là. Eh oui. Il y a une clé scorpion par là. Refais-toi des munitions par contre. Oui, mais pour ça il me faut du fluide et il me faut de la poudre, mais j'ai pas de poudre. Alors attends, je vais vérifier, mais je crois pas. Ah, non, j'ai la photo d'un trésor que je garde sur moi parce que j'ai envie de... Non, j'ai pas de poudre. Il y a une clé scorpion à l'étage. Il y a une porte scorpion, là il y avait la vieille. J'ai souvenir par là. Je crois que c'est là, voilà, ici. Non, elle est en bas, je me souviens. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Hein. Comme disait Patrick. Elle est là. Voilà, elle est là, en face. Allez, on se fait ça. Allez, la clé scorpion. Regardez-moi ça. Le son est meilleur, là. Hein. Oh, mon Dieu. Et du coup, ça nous a permis d'ouvrir quoi? Ah bah ça nous permet d'accéder plus rapidement au... En fait ça nous débloque. Ok, ça nous débloque petit à petit la maison, ça nous fait... C'est des raccourcis, voilà, tout simplement. C'est des raccourcis. Bon allez, je fais une petite save, on reste là puis on se donne rendez-vous demain. Hein, on a fait 1h27. Putain, ça s'est passé à une vitesse là, hein, vous voyez. C'était magnifique. N'hésitez pas à mettre la petite cloche hein, pour être averti des lives en temps réel. Ça me fait toujours plaisir. Donc, parfait pour Nick Taras. Bon, bah Léa, Nick Taras, Eve, je sais que t'es pas loin, que tu regardes ou tu regarderas la VOD, j'en sais rien. En tout cas, ça me fait très plaisir parce que hier, j'étais vraiment en grande tristesse hein, de pas pouvoir streamer ce jeu. Bon, certes, là, c'est pas la meilleure qualité optimale, hein, c'est pas opti-opti comme j'aurais voulu. Mais on arrive quand même à y jouer et je voulais absolument vous le faire partager, surtout parce que je sais que vous ne le connaissiez pas. Je sais que là, c'est pas là où on va trouver le plus de... On va pas trouver des nouveaux abonnés parce que tout le monde a déjà fait ce jeu depuis belle lurette. En tout cas, pour nous, ça va être fantastique. Allez, je vous laisse sur mon excellent générique de fin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain, ok? Allez, bisous. Tchuss.